Mesdames, messieurs, bonsoir. Une question me taraude, mais qu'arrive-t-il donc à la Pepper Pot Team? Cette bande de joyeux lurons, autrefois si prolifique pendant la saison 10, semble être aux abonnés absents depuis quelques temps. Tout autour du monde, les fans s'impatientent, la bourse dégringole et Stephen Moffat lui-même avoue son incompréhension. C'est pour ça que nos reporters sont allés à leur rencontre. Un reportage Pierre Capal, Kevin Smadja et Jeanne Levine pour Pepper News. Nous sommes dans la campagne de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, la Pepper Pot Team est affairée à coller des gommettes sur des hand spinners. Mais Pauline de Pepper Pot a tout de même accepté de nous accorder une interview. Bonjour Pauline de Pepper Pot. Bonjour. Vous faites désirer en ce moment, vos fans vous attendent avec la plus grande impatience. Qu'est-ce qui vous maintient si occupée? Alors, question délicate. Déjà, la dernière vidéo, elle a moins d'un mois, donc c'est pas si longtemps. Si? Ok, donc ça fait longtemps. Et sinon, il y a la Nuole qui sort bientôt, là, on les a commandés, donc on va bientôt pouvoir les envoyer. Ah oui, la Nuole. Vous passez donc beaucoup plus de temps à préparer un magazine pour une poignée de provinciaux plutôt qu'à essayer de faire du contenu pour vos milliers de fans sur YouTube. Oui, vu comme ça, oui, forcément. Mais oui, là, on va bientôt pouvoir les recevoir et puis faire les petits colis. Et après votre feuille de chou, vous avez d'autres projets en attente? Là, on commence à préparer le boulandrier, parce que ça se rapproche quand même, hein. Et puis on va garder le principe des lots, mais par contre, on va complètement changer le format, parce qu'on trouve qu'on a fait le tour de celui-ci, ça va être complètement différent, attendez-vous à un choc. Hein. J'en frissonne d'avance. Puis on sort quand même aussi des vidéos sur la chaîne Tardistory, hein. Sur quoi? C'est une chaîne collaborative qu'on tient avec des copains, on est assis autour d'une table et on discute de Doctor Who, c'est plutôt sympa. Eh bien, il y en a qui n'ont que ça à faire de leur week-end, à ce que je vois. Après, comme d'hab, il y a le HO du 25 décembre, il va aussi y avoir sûrement un bêtisier en début d'année. On est en train de préparer un Pepper Passport, un Across the Universe, plein de choses, quoi. À vous entendre, on dirait que YouTuber est un métier éreintant. Le problème des périodes creuses comme maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, et donc on est obligé de faire des vidéos qui sont pas en lien avec l'actualité et qui sont forcément plus longues, plus chronophages et tout ça. Oui, enfin, certains ne se sont pas privés de faire des vidéos sur le sujet, vous auriez pu y mettre un peu du vôtre. On a bien fait une vidéo sur les nouveaux compagnons, mais on n'avait pas grand chose à dire. Pareil, le costume, on s'est dit qu'on n'allait pas non plus avoir grand chose à dire dessus. Et côté apparition, aura-t-on la chance de vous rencontrer quelque part bientôt? Alors, on a été invité par AOA Productions pour le Doctor Who Day de Lyon le 26 novembre à la MJC Mon Plaisir, hein, donc très bientôt. C'est une convention qui est dédiée à la série, en fait. Ah oui, les conventions, ces rassemblements de vieux geeks fanatiques et libidineux, je vois. Oui, enfin, c'est la seule convention Doctor Who qu'on a en France, donc je trouve ça plutôt cool, on va pouvoir rencontrer plein de fans. Et puis en plus, à 15h, nous, on fait partie d'une table ronde qui est dédiée au maître. Je pense que ça va être super intéressant, vous devriez venir faire un reportage. Hein. C'était Jeanne Levine, à vous les studios. Eh bien, merci Jeanne et merci à la Pepper Pot Team pour toutes ces informations croustillantes. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles news.